fera la première vidéo de la soirée. Mesdames et messieurs, je vous écoute avec moi pour le compte à rebours. Tous ensemble, à la place de la concorde. J'en profite pour demander à nos amis de la marine nationale aussi, là-bas. De l'autre côté, sur le perron, l'armée. Et de l'autre côté, pour la marine que l'on salue. Attention les points pour le premier grand moment de cette soirée. C'est... Action! Certains rabat-joie, mauvais en guillemets, méritaient-ils d'aller en finale? C'est la question que beaucoup se posaient à ce moment-là. Mais oui, on entendait dire qu'ils allaient être croqués, ils allaient être dévorés, qu'ils allaient rencontrer des surhommes, que c'était même pas la peine de venir. Le match était déjà joué d'avance, vous en souvenez? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, mais vous, vous y avez cru? Eh bien, figurez-vous que nous aussi. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien comme ça, un pur moment de bonheur, un pur moment de plaisir, certes, un peu de douleur aussi, mais c'était tellement beau. Mes amis, voici la finale à l'écran, tout de suite. Faire participer de la façon la plus vivante, la plus agréable, la plus passionnée. Il va prendre beaucoup plus que ça. Ça a été très dur.
une un jour particulier, parce qu'aujourd'hui, et pour la première fois dans l'histoire, il va y avoir 40 000 personnes qui vont chanter. Pascal Papé qui a fait une vidéo. David Ellis, c'est où? J'ai perdu David Ellis. On va bien comprendre là qu'il avait quand même étudié la vidéo. Ils nous ont fait une misère dans la finale. Juste là, il y a eu un petit moment sur cette touche. L'équipe de Black, c'est une équipe très forte. Et pendant 80 minutes, le garçon ici derrière moi, ils ont fait un match extraordinaire. Voilà. À mon avis, c'est le plus beau match défensif que j'ai vu depuis quelques années. Nous sommes d'accord, mais vous l'avez évidemment passé très près, vous êtes évidemment content de votre job, mais une petite frustration vous aussi. Oui, bon, c'est un essai, on nous a pris un essai, un petit essai casquette. Oui, un petit peu bizarre, mais après ça, ils ont décidé de ne pas laisser le Black de foncer à notre vidéo bleu. Grâce à eux, nous avons presque gagné la Coupe du Monde. Mais avec une défense vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, tout le monde. Merci David. Oui, grâce à Didier et son équipe. Il faut un jeu au pied remarquable, Gonzalo est là. Il nous faut des tacticiens hors pair comme Jomazo. Mais il faudrait aussi peut-être quelques techniques à l'arrière pour nos gazelles particulièrement survitaminées. Je vais demander à Émile et Tamac de venir rejoindre Émile. Tour de France, on va le continuer parce qu'Emile, tout le monde le voit Toulousain, il est Toulousain, c'est vrai, mais il est surtout de la banlieue lyonnaise, de l'Est, du côté de mes yeux, me semble-t-il. Voilà, je me trompe ou pas une? Non, il y a quelques années. Oui, mais bon, on parle de jeunesse aussi, vous êtes toujours jeune, Emile. Un petit mot sur ces trois quarts, est-ce qu'ils ont rempli l'ambition? Est-ce que vous êtes satisfait de vos ouailles? Et de parler que des trois quarts, je crois, comme l'équipe de France, c'est la montée. Donc on peut dire en tout cas, je ne pense pas tous les jours qu'on peut supplanter et gérer les plaques à leur propre jeu. Alors jeu de mouvement, donc bien sûr qu'il y a la satisfaction de pouvoir déployer de belles choses et de marquer des essais tout au long de la compétition. Et je crois qu'il faut surtout retenir un travail d'équipe avant et pendant le match qui a permis à l'équipe de France d'avoir une belle équipe de France jusqu'au bout. Émile et Tamac, mesdames et messieurs, vos applaudissements. Le plus jeune de la troupe et l'un des plus jeunes joueurs de cette Coupe du Monde, qui s'est vu confier une responsabilité impromptue, un coup de poker gagnant, bien évidemment, et tout le mérite en revient à Marc, je tiens à rappeler aussi, de se retrouver, même s'il a déjà, notamment jusqu'au junior, me semble-t-il, évolué souvent au poste d'ouvreur, un énorme challenge, et vous avez relevé le défi, qui plus est, en étant buteur, Morgan, racontez-nous votre Coupe du Monde, même si elle se termine un peu en noir et blanc, si nous avons tout cas sans la lumière. De remercier tous les joueurs qui m'avaient quand même à ce poste, c'était pas facile, dont François qui m'a soutenu dans les matchs, qui m'a aidé à prendre les repères. Et voilà, tout simplement, maintenant je sais pas quoi. Il m'a laissé tout seul donc. Non mais merci à vous pour votre soutien. C'est bon, voilà. On gagne comme même de cérémonie. Bien évidemment, il gagne.
À toutes et à tous, c'était une merci beaucoup offerte par la Fédération Française de Rugby. Merci Jo, merci Pierre, merci Didier, merci Milou, merci à toutes et à tous, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, et notamment le tournoi Destination. Bye bye, on vous aime les garçons. Vous allez dans vos villages, dans vos régions.